Bonjour les enfants. Aujourd'hui, la Mora Shoshana vous propose un travail manuel sur Shavuot. Nous allons faire le Har Sinaï. Pour cela, il va falloir suivre les trois étapes suivantes. Pour l'étape numéro 1, il nous faut une assiette en carton, un papier de couleur marron ou alors de la peinture, une paire de ciseaux et une agrafeuse. Moi j'ai pris une assiette en carton carré parce que je n'avais pas une ronde, mais le mieux c'est d'avoir une assiette en carton ronde. Donc je vais commencer par couper les coins parce qu'il me faut quelque chose de rond. Donc je vais arrondir les coins de mon assiette. Alors, une fois que mon assiette est plutôt arrondie, je viens prendre mon ciseau et je coupe en diagonale chaque coin de l'assiette. Je vais pas trop loin parce que sinon, ça risque de casser l'assiette. Et j'essaye de lui donner une forme arrondie. Et chaque coin qui a été coupé, je le rabats l'un à l'autre et je l'agrafe. Une fois que nous obtenons la forme de notre montagne, nous pouvons maintenant la recouvrir d'une feuille marron. Alors pour ceux qui ont de la peinture marron ou des feutres marrons, vous pouvez le faire avec autre chose. Mais moi comme j'ai que ça, donc je vais le faire avec une feuille marron. On va donc recouvrir notre montagne avec la feuille marron et donc bien l'agrafer de chaque côté. Voilà notre montagne. Nous arrivons à la décoration de notre Har Sinaï. Pour cela, j'ai utilisé plusieurs feuilles de couleur et j'ai découpé des petites fleurs. Ça m'a fait donc comme des petites confettis. Vous pouvez aussi prendre des feuilles blanches et faire un coloriage dessus et dessiner des petites fleurs. Et ensuite, nous allons les coller sur notre Har Sinaï. Donc il vous faut pour cette étape du papier coloré, un ciseau, de la colle et c'est parti pour la décoration. Et voilà, notre deuxième étape est terminée. On passe maintenant à l'étape numéro 3, celle des louchotes. Pour cela, il nous faut deux cure-dents, des cotons, de la colle, un papier jaune, un crayon ou un feutre. Nous allons dessiner les louchotes sur notre papier jaune et les découper. Avec les deux cure-dents que nous allons coller derrière les louchotes une fois découpées, nous allons les planter dans la montagne afin de pouvoir faire tenir les louchotes. Maintenant, nous allons prendre les cotons, les ouvrir en deux et ensuite les recouper en deux. Les cotons, on va les plier de sorte que ça fasse comme un nuage. On va mettre de la colle autour de nos louchotes sur le Har Sinaï et on va coller nos nuages.